Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette Trictac TV qui s'annonce somme toute splendide, puisque l'un de nous va jouer le king, le roi, et l'autre va jouer l'assassin, le fumier, la fourbasse. Et pour parler de ce jeu, j'ai avec moi Monsieur Rémi. Comment ça va bien, Rémi? Ça va bien. Ouais, au taquet? Oui. Tu n'es pas venu seul, tu es venu Non. avec Monsieur Ludo. World Surfer, World World Surfer, c'est Surfer, je ça. ne sais pas prononcer son nom, je ne sais pas le prononcer, mais je sais le reconnaître. Comment vas-tu bien? Bah nickel, Voilà, alors toujours, c'est. ça fait plaisir. Eh oui, et j'allais le dire, c'est un jeu à deux. C'est Hein, c'est ça. ça. Et quand il a su que tu venais ici faire ce jeu à deux, il a dit je veux venir parce que Affronter je Monsieur veux Fall. affronter Bah Monsieur Fall, c'est moi. oui. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais à quel point j'adore les jeux à deux. Pour avoir joué pendant des années à Magic, qui est un jeu à deux, j'ai mon quota de jeux à deux. Toi, tu es là, Rémi, et tu n'as rien à voir avec ceci parce que Kings of Assassin, c'est un jeu édité par Galacta. C'est C'est ça, polonais. c'est polonais. Polonais. C'est un jeu de. Alors attention, hein, parce que c'est Lukasz de Wozniak, c'est ça? Sans oui, Sans plus ou doute, moins, hein, oui. tu sais, t'es comme moi, tu sais le prononcer. Et alors, l'illustrateur, il y a un nom quelque part? Non, faut aller fouiller. Hein. Et toi, tu es là parce que tu me disais que tu allais le faire en français? Voilà, je viens de monter une maison d'édition et donc je vais traduire le jeu. Donc il devrait prochainement être produit et sortir en novembre. Alors, ta maison d'édition, elle s'appelle comment? Rune Édition. Rune Édition. Eh oui, Rune Édition. Et tu as décidé de monter cette maison d'édition, pourquoi? Parce que ce jeu te plaisait? Non, parce que j'avais d'autres déjà des projets d'édition. Ouais. Et comme j'ai découvert ce jeu assez récemment, je trouvais qu'il était vraiment très intéressant. Et je me suis dit que c'était pas plus mal de commencer par une traduction. D'accord, ok. Et donc là, le truc est parti en production. Ou... Parce que là, on va jouer avec la version internationale de l'anglais, c'est ça? Voilà. Hein? Et le jeu, lui, il arrive quand en français? Il arrive normalement en novembre. Novembre 2014. Pour ceux Voilà. qui regardent ça en décembre, qui se diront quoi? Encore un an à attendre. Alors la boîte, on n'en a pas besoin parce que tu as tout déballé là. Hein? C'est ça. Voilà, c'est dedans. Voilà, on va montrer quand même à quoi ça ressemble. Hein? Voilà, il y a. Des petits sacs pour ranger. Hein. Ça, on va le mettre par-devant moi. Je vais dire donc, j'ai dit que c'était Lucas de Wozniak, et c'est un jeu pour deux joueurs. Alors, il y a des indications qui sont là. Il faut avoir 10 ans minimum pour y jouer. Et puis, ça va durer entre 20 et 30 minutes quand on découvre, mais quand on est bon, parce que toi, tu me dis ça dure un quart d'heure Je suis pas maximum. très bon, hein, Il tu n'est pas sais. très 30 bon. minutes, c'est pour l'aller-retour en fait, puisque c'est asymétrique, on change de camp en Ah, général. d'accord, on fait une partie dans un sens, une partie dans Voilà. l'autre. Ça, c'est la règle, donc c'est la rules. C'est Mais ça. en anglais. Donc ça, tu vas le traduire. Je Voilà. l'ouvre pour que notre puisse faire un plan dessus, pour qu'on puisse voir. Je vais mettre au-dessus là, comme ça, parce que on est super au point, lui et moi. Voilà. Là, bon, il n'y a pas grand-chose en fait, finalement. Hein. Voilà. Donc mon petit cerveau devrait pouvoir y arriver. Ah, mais si, il y a des. Regarde, on peut avoir cover art Grzegorz Rutkowski. Oui, ils sont tous polonais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, il y a du monde. Hein. Ok. Donc ça, j'en ai pas besoin. Tu la connais Non, par cœur, j'imagine. bien De toute sûr. façon, mon anglais est pitoyable. Donc. Et alors, bon, c'est une configuration un peu particulière. On a mis le plateau au centre pour avoir les plans là-haut, mais on va jouer l'un contre l'autre et il est asymétrique, y compris au niveau de l'espace de jeu. Et j'ai envie de dire, Rémi, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Bien. Alors le pitch, donc le roi est un tyran, il opprime le peuple. Et donc le peuple se rebelle un petit peu. Donc il y en a certains qui sont. Ils juste lèvent le poing, ils crient un petit peu, ils lancent des insultes. Ah, Saloua, Et il y en a Saloua! certains qui vont plus loin, qui veulent même de renverser le roi. Donc qui sont des assassins qui veulent tuer le roi. D'accord. Donc on a d'abord le roi, ses chevaliers qui sont chargés de protéger, et 12 citoyens qui symbolisent en fait une foule en D'accord. colère. Je vais montrer. Alors, c'est des pions, hein, on les voit là très bien. Donc, tu as le roi, lui, il est vert, parce que le roi aime le vert. Hein. Et puis, le chevalier pour le protéger, ils sont bleus, parce que c'est des garçons. Hein. Voilà. C'est recto verso, en fait. Hein, parce qu'au début, en regardant de ce côté, j'ai cru que c'était un. C'est comme ce petit jeu-là dont j'ai oublié le nom. Stratégo. Stratego, voilà. Il y a un petit peu de. Ouais, un petit peu de stratégo dedans. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de Là, tu as les guessing. assassins, si tu veux. Ah, d'accord. Ah oui, je vais montrer les assassins. Eux, ils sont rouges, parce que l'assassin, comme il tue les gens, C'est le sang. il est rouge, voilà. Il est en colère. Ok. Et puis, chaque citoyen est différent. Oui, parce qu'il C'est faut des aller reconnaître. dessins. Il y a un gros travail de design. C'était où, ça? N'importe où. Si, il y a des Il y a croix. des petites croix, ouais, pour symboliser. Voilà. Ok. On a vu le matériel. Donc, le but du roi, c'est de rentrer dans son palais. Les entrées sont ici et ici. Ok. Donc, il y a des petits drapeaux qui les symbolisent. D'accord. Le joueur assassin, lui, son but, bah, c'est justement de tuer le roi. Donc, en début de partie, il va prendre les 12 cartes qui correspondent aux 12 citoyens et va en choisir 3. Attends, ben, là, j'étais dessus, donc je vais remettre là. Et moi, Je je te dois remets passer là. là. Voilà. Ah, on se met d'accord. On se met d'accord, je bouge pas. Donc voilà, ça, le roi a ça en main, c'est ça? Non, ça, c'est Ça, c'est l'assassin. l'assassin, il a ça en main. Et puis tu me dis, il fait quoi? Ben, il va choisir 3 citoyens qui seront en fait des assassins dissimulés.
D'accord, bah, je fais la, je fais le. Comme tu veux. Bon, je pense que j'ai Après, en je main. peux expliquer, tu peux expliquer les règles et puis on verra après. Ok, donc tu prends trois cartes au pif comme ça. Pas au pif, on les choisit Ouais, généralement mais là avec le c'est pour placement, mais montrer. voilà. Donc on est comme ça en fait, le jeu. Voilà. Ensuite, à chaque tour, on va révéler une carte qui donne le nombre de points d'action pour les assassins, pour le roi et pour les chevaliers. Alors je vais montrer ça en déporté. Donc on révèle une carte qu'on va mettre en fait en fonction du sens des Voilà. joueurs. Un point de déplacement pour le roi, 5 points de déplacement pour les Voilà. gens qui le protègent. Et l'autre côté, c'est 5 pour le peuple, c'est C'est ça? ça. Et donc de l'autre côté, ça donne ça. Ok. Donc ça s'est révélé. Donc il y a un certain nombre de cartes qui doivent donner un certain nombre de tours, c'est ça? Voilà. Donc Combien? j'ai 15 cartes qui 15 donnent donc tours. 15 tours de jeu. Ok. Donc avec ces points d'action, on peut faire différentes choses. Donc le roi, lui, il se déplace. Donc pour un point, il se déplace orthogonalement d'une Ok. case. Les chevaliers et les citoyens ont le même déplacement. C'est-à-dire que pour un point d'action, pareil, ils se déplacent d'une case orthogonalement. S'ils sont sur un toit, pour un point d'action, ils se déplacent d'une case orthogonalement. Ils peuvent escalader pour deux points d'action et descendre du toit pour un point d'action. D'accord. Ça, c'est le déplacement. En plus, les chevaliers peuvent repousser des citoyens. C'est-à-dire dans leur déplacement, si un citoyen est sur la route, ils le repoussent. D'accord. Il y a quelques restrictions. On ne peut pas repousser un citoyen si ça doit le faire escalader un mur. Oui, forcément, tu te coinces contre le On ne mur. peut pas repousser un citoyen s'il doit faire quitter le plateau. Ouais. Et on ne peut pas repousser un chevalier ou un roi. Donc dans ces configurations, le chevalier ne peut pas repousser D'accord. le citoyen. Une question, hein, au niveau des déplacements, tu dis d'une Oui. case, un point, une case, je peux pas, là, il peut pas bouger, lui, par exemple. Non, il faut d'abord enlever Il faut le d'abord chevalier enlever les pour chevaliers. Ok, que on est le roi puisse se d'accord. déplacer. Donc ça, c'était le déplacement. Dès que l'assassin se révèle, donc il se révèle à son tour sans coup additionnel, il a un déplacement qui est un petit peu modifié. C'est-à-dire que pour un point d'action, il escalade, et pour Alors. zéro point d'action, il peut descendre du toit. Donc, ah oui, ça c'est une petite tête de jeu. Donc là, on voit les Voilà. citoyens, les machins, ça dit ce que ça peut faire, le toit, la descente, le machin. Ça, c'est l'assassin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'assassin, il va dire, ah bah moi je suis l'assassin. Par exemple, c'est lui, il Voilà. dit, ah bah maintenant je suis l'assassin. C'est ça. Il enlève le pion, on est Par d'accord. contre, il montre la Ah carte oui, d'accord, pour dire pour. que c'est lui, c'est un des assassins. Donc il y en a trois sur le plateau. C'est ça. Donc tu disais, il a des trucs spéciaux. Donc c'est juste escalader et descendre. Il a un mouvement qui est modifié. C'est-à-dire que c'est plus facile pour lui. Voilà. Et oui, c'est comme dans C'est-à-dire que Assassin's Creed, là, c'est ça le truc, il est super Bah, fort, le exemple. design est d'ailleurs assez proche Oui, assez de. proche, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ok, et puis, ensuite. Donc ça c'était pour le déplacement. Donc un assassin révélé peut éliminer un chevalier pour un point d'action. Enfin, le premier chevalier du tour est éliminé pour un point d'action, le second est éliminé pour deux points d'action. D'accord. Si jamais l'assassin arrive au contact du roi, pour deux points d'action, il peut lui faire une blessure. Dans ce cas-là, on retourne le petit jeton pour montrer que le roi est blessé. Ok. À la deuxième blessure, le roi est éliminé et donc les assassins ont gagné. D'accord. Voilà. Lorsqu'un assassin est révélé, un chevalier peut tout à fait l'éliminer. Donc pour un point d'action, il élimine un assassin. Alors pour éliminer, il faut être au corps à corps, Il au faut être contact. adjacent, orthogonalement. D'accord, Voilà, toujours. c'est Face ou ça. côté. C'est Ou dos. exact. Donc voilà les règles. Donc le but des assassins, c'est donc de se rapprocher suffisamment du roi pour l'éliminer. Le but du roi, c'est de rentrer dans son palais en étant protégé par ses chevaliers. D'accord. Donc surtout, on va révéler des cartes. Il y a certaines cartes qui ont un petit symbole d'entrave. Ouais, j'ai vu les petites menottes. Donc quand ce symbole est révélé sur la carte, c'est-à-dire que dans ce tour-là, les chevaliers peuvent capturer un citoyen. Ok. C'est-à-dire que si le roi a un doute sur un citoyen, il peut le capturer. Il fait de la Donc le mec, il prévention. est là, il dit, toi, je te capture. Voilà. Parce que tant que l'assassin n'est pas révélé, le roi n'a pas de moyen d'agir sur les citoyens. Il ne peut pas tuer les citoyens Ah oui, comme ça. sinon le mec, Ça a beau être attirant, mais s'il n'y a plus personne déjà qu'il n'est pas dans son aimé. royaume, voilà. Voilà. Donc sur les 15 cartes, il y a 7 cartes qui ont un symbole d'entrave. Alors, mais entrave, c'est avec quoi, ça, concrètement? C'est-à-dire que le mec, tu Tu dis. sors le villageois du jeu. Il est capturé, il va en Il prison. est Ah, capturé. d'accord, ok. Donc si jamais c'est un assassin, le joueur assassin ne révèle pas Oui. son identité. Ok. Ce qui fait que le roi a toujours un doute sur le nombre d'assassins qui sont en jeu. Voilà le gros des règles. Eh ben on joue alors. Ouais. Ouais, ça fait 10 minutes d'explication, on va jouer, c'est pas Après, trop si vous compliqué. aimez les chiffres, donc il y a 7 cartes sur 15 qui ont un symbole d'entrave. Les points d'action pour les assassins, c'est entre 4 et 5. Ok. Le roi, c'est entre 1 et 2. Les chevaliers, entre 5 et 7. D'accord, Et donc il faut au voilà. minimum 14 ou 15 points d'action pour rentrer dans le palais. Ok. Moi, je vais encore perdre de toute façon. Bon, ben on va bien voir. Donc, Tu joues les bah oui, assassins? parce que le roi est loin là-bas, on tournera le plateau après. Donc, je vais choisir. Alors, le placement là, il est. Oui, donc Il il y a est toujours deux fixé. chevaliers C'est ici. ça. Ok. Et donc, moi, ma porte de sortie, c'est là ou là. J'ai une petite précision sur la fin de partie. Donc, si le roi se prend deux blessures, bah, il est mort. Ouais. Les assassins ont gagné. Si le roi arrive à rentrer dans son palais avant la fin des 15 cartes, il a gagné. Si jamais, pour une raison quelconque, les trois assassins ont été mis hors jeu, soit en étant éliminés sous forme d'assassins, soit en ayant été capturés sous forme de citoyens,
À ce moment-là, l'assassin le déclare et la partie prend fin et le roi a gagné. D'accord. Si jamais le roi n'est pas rentré dans son palais à la fin des 15 cartes, il a perdu. D'accord. Voilà. Donc il y a une notion de stress où moi je suis obligé d'avancer quoi qu'il arrive, sinon ouais, je vais me faire avoir. Alors je vais montrer aux gens. Vas-y, je ne regarde pas. Non, mais tu ne verras pas, je vais mettre en caméra déportée. Mais regarde pas quand même. Okay. Voilà qui j'ai choisi. Alors après, vous allez essayer de voir sur le plateau. Note, tu peux montrer sur le plateau où c'est. Deux secondes. Voilà, les gens l'ont dû le voir. Je vais montrer un autre. J'expliquerai après, dans le 5 minutes après, pourquoi j'ai pris ces personnages-là. Voilà où j'ai mis l'autre. Tu peux montrer sur le plateau si les gens le voient. Est-ce qu'on le voit? Oui, on peut le voir rapidement. Et puis je vais montrer mon troisième personnage qui est celui-là. Je suis sûr que tu as pris la fille de joie. Forcément, oui. Bah. Parce que je savais que tu allais t'en approcher. Voilà. Merci. Et là, on va y aller. J'ai remarqué que généralement, les premiers citoyens qui étaient capturés, c'est soit la fille de joie, soit le curé. Ah ouais? Et c'est même, rigolo, ça. Même Olivier de Paille Édition, puisque ceux qui vont distribuer le jeu, a fait le même constat. Ah, c'est rigolo ça. Donc c'est les personnages qui ressortent le plus. Et... Alors on y va, on retourne une carte. Et qui commence alors le mouvement? C'est toujours le roi? C'est le roi qui commence. C'est le roi qui commence. Tour. Donc les cartes sont là-bas, je vous laisse. Ah, c'est celle-là, oui. Eh bien, je révèle. Hein. Donc le roi, non, c'est comme ça. Alors, donc en fait, j'ai deux actions roi et sept actions ça. Tu vas aller loin, hein. C'est la plus grosse ça. Ça fait partie des plus donc, grosses. Donc pour escalader, c'est deux et tout le reste, c'est un. Alors... Et donc pour assassiner, tu es obligé de t'approcher de quelqu'un et là tu te révèles, sinon tu ne peux pas assassiner. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. D'accord. C'est mieux de se révéler avant parce qu'on peut bénéficier. Alors un point d'action, tu tues un chevalier. Oui. Et enfin, deux points d'action. Le premier chevalier du tour, ah, c'est un. Oui, oui, il faut, et on ne peut pas tuer plus de deux chevaliers dans un tour. D'accord. Et donc Rémi, on est d'accord, je peux intervertir mes actions comme je veux. Tu peux faire trois actions chevalier, passer le roi, revenir au chevalier. J'ai oublié un tout petit point de règle. Ah. C'est qu'on ne peut pas attaquer, si on en a le droit, on ne peut pas attaquer quelqu'un qui est sur un toit. Ok, bah oui. Un chevalier ne peut pas capturer un citoyen qui est là ou éliminer un assassin qui est sur le toit. Je vais te dire, je vais tous les mettre sur le toit. Est-ce qu'on autorise pardon, les petits rollbacks ou non? Oui, vas-y, on est là entre amis. Ah, piège touché, piège joué. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, non, en fait, c'est pas le même décompte. Non. Ah oui, enfin, ton roi, il a bougé définitivement. 2, là, j'ai bougé le roi, et il me reste 5 actions au chevalier. 1, 2, 3, écoute, 4 et 5, c'est idiot parce que je laisse un trou, mais bon, écoute, c'est pas grave. Alors, ouais, t'as un trou ici, c'est ça? Ouais. Avec 4 points d'action, voilà, il peut pas. Oui, oui. Ouais. Et là, je suis sur un toit. Hein. C'est ça. Donc, pour descendre, moi, c'est 1. Oui. Alors, la fille de joie, tu peux pas la faire prisonnière. Ce que je vais faire, c'est que je vois bien par où tu veux passer. Je vais. Je suis sur le toit, je suis plutôt tranquille. J'ai 4 actions. Écoute, ce que je vais faire, là, tu vas t'embêter, là. Donc, je vais faire 1. Là, tu es bloqué. Je pourrais te repousser, hein. Ben, sauf si je mets un autre mec, là. C'est ça. On peut repousser autant de citoyens que... Ah possible. Oui, d'accord. Oh, ouais, pour ça. Ben, tu me repousses, moi, je te tue le tour d'après. Après, si vous mettez plein de citoyens jusqu'au toit, il ne pourra pas repousser. Ouais. 1. Et j'ai encore 3 actions. On va être tranquille là. On va faire 2. Trois. Quatre. Il a l'air louche lui. Donc nouvelle carte, vas-y, je t'en prie. Hop. On va faire comme ça. Ah, il y a un petit symbole d'entrave. Vas-y, entrave. Donc j'ai 5, 1 et c'est une entrave. Capture par tour, on ne peut pas capturer autant que... Et c'est un point d'action pour capturer. Je ne peux pas le capturer si je ne suis pas moi-même sur le toit. On est d'accord. C'est ça. Par contre, tu peux monter et le repousser oui, et le capturer. 5, 1 et entrave. Comment on va faire ça? J'ai envie de te capturer le moine. Ouais. Se révéler, c'est pas une action. Hein. Enfin, c'est pas un point. Vas-y. Écoute, ça sera fait. Je te le capture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rien là. Il est capturé. C'est OK. Il avait une sale tête, j'aime pas. Donc après, si c'est un assassin, bah, vous n'en avez plus que deux. Il peut en capturer combien? 4, 5 en tout. Il y a 7 cartes en tout. Ah ouais, putain, c'est fait, ouais, le rôle du roi, il est facile. Oh, non. C'est quand même plus difficile pour le roi. Je vais faire première action, je te repousse. Mon action du roi. Et il me reste 4 actions chevalier. Et moi, je peux pas pousser le chevalier. 1, hein. Non. 2, 3. 4. Un simple citoyen contre un chevalier lourdement armé. Ouais.
le rideau de fer. Donc moi j'ai 4. Donc généralement, l'assassin se révèle uniquement s'il peut faire des dégâts. Ouais. Et on peut aussi sacrifier un assassin pour éliminer deux chevaliers, ce qui crée une brèche dans les forgerons. Mais là, du coup, lui, même s'il se révèle, il ne peut pas me tuer. Parce qu'il faut non, je suis en hauteur là. Si, ouais. Mais en hauteur, il peut. Ah, je peux tuer en hauteur ? Oui, bien sûr. C'est une position inférieure. Je pensais qu'il est obligé de descendre. Non, non. C'est doublement intéressant pour les assassins de la position en hauteur. Parce que on est... Donc c'est un point d'action pour tuer. Le premier chevalier, oui. Allez, écoute, révèle-toi. Ben, je vais me révéler. Hein. On va faire ça. Voilà, avec sa petite... Mais si t'expliques mal là. Il a bien expliqué. C'est pour ça que je suis resté là-haut, moi. Donc je me révèle, hein, je montre. C'est un assassin. Donc, voilà, tu le mets à la place. Waouh. Donc, première action, premier point d'action, je tue cette petite chose informe qui ne sert plus à rien. Deuxième action, je vais descendre. Alors, c'est gratuit en tant qu'assassin. Ah oui. Paf, donc c'est gratuit. Et je vais faire du ménage, hein, mon pote. Ouais. Parce que je peux en tuer que deux. Hein. Ça, donc là, c'est deux points d'action pour le deuxième. Ouais, le deuxième paf, il est mort. Donc, il reste un point d'action. Une action, écoute, je vais aller me mettre près du roi. Ou alors, je peux remonter, il ne peut pas me tuer, je suis en hauteur. Bah, faut que lui dépense des actions pour remonter et vous repousser et ensuite tuer. C'est-à-dire que c'est au minimum trois points d'action. Le mieux, c'est que je me barre. Oui, parce que à côté du roi. Pour remonter, à l'assassin, c'est un point d'action pour monter. C'est ça. Donc, hop, je suis là-haut. Yébnia. Bon, bah, ça a fait du ménage là. Oh là là, j'avais oublié. Je pensais qu'il fallait descendre du toit. Non, non. Et il n'y a même pas de symbole d'entrave. De toute façon, vu que tu es révélé, c'est pas gênant. Alors. Donc là, il faudra que tu perdes trois actions pour éliminer l'assassin. Deux pour monter et une pour l'éliminer. Et pourquoi il est plus protégé là. Mais non, je peux pas perdre comme ça. Quoi. Je ne sais pas moi, hein. Tu m'as dit 5 minutes la partie, j'essaye moi. ça peut être très rapide. Non, il faut que je réfléchisse. Après, mettez l'assassin tout de suite très proche des chevaliers, si les entraves tombent tout de suite. Ah bah oui, mais c'est un choix à prendre. Tu vas avoir prise de risque. Donc de toute façon, même si je me mets là, tu vas faire un tu me butes, tu descends. 2, 3, tu me touches. Ouais, non, là, je suis... Alors, le roi, au maximum, ses points d'action, c'est 19. Et il lui faut entre 14 et 15 points d'action pour rentrer. Donc, il peut se permettre de reculer ou de ne pas avancer certaines fois. Mmh. Ouais, non, mais là, il faut que je le tue. Là, j'ai pas le choix. Hein. Allez. Je vais faire 1, 2, 3. Lui, on va le faire aller là, et il me reste un point d'action. Il t'en reste deux pour les chevaliers. Deux pour les chevaliers. Alors, il est monté, ça fait deux. Il est éliminé, ça fait trois. Oui, il a cinq, il a cinq. Il m'en reste deux, mais enfin bon, ça n'a pas beaucoup m'aider. Déjà qu'il est mal parti, si en plus on triche. Écoute, je pense que le mieux, c'est de faire ça. Donc, tu as sauté pour un et tu as annoncé pour un. Ok, à moi. Moi, bon, j'en ai quatre. C'est mal engagé, là. Hein. Mais non, tout va bien. Oui, pour toi. Faut que je ramène eux, je pense. Monter sur le toit, c'est deux, hein. C'est ça, sous forme de citoyen. Mais tu peux te révéler. Mmh. Ouais, je vais pas me révéler tout de suite. Moi, je veux bien que tu viennes vers moi tranquillou. Un, deux, trois, quatre. On est bien sur le toit, moi, je trouve. Ah, un petit symbole d'entrave. Oui, mais lequel? Et puis, il faut que j'arrive au contact, c'est ça le problème. Alors, 6-1 et entrave. Ça, c'est, on dirait, tu sais, un truc de danse. 6-1 et entrave. 6-1, entrave. Là, tu essaies de noyer le poisson. Ah, je ne sais pas ce que je noie. Ah, mais un poisson, c'est dur à noyer. Hein. Ou alors, il fait comme toi, il en a laissé un juste à la sortie. Qu'est-ce que je fais? C'est toujours le problème dans les jeux, c'est qu'il faut réfléchir. C'est le but, hein? Ouais, ouais. Faut que tu regardes où se posent ses yeux. Il se pose partout. Il y a une micro-expression. Ouais. Non, mais je vois bien. La petite gonzesse avec son tonneau, là. Moi, je pense que si on me colle dans les yeux, tu sais, ces petits trucs qui pointent sur l'ordinateur où tu regardes, ça sera sur les cuisses de la fille de joie. C'est pour ça qu'elle est souvent capturée, je pense. Ouais. Ah, mais t'es chiant de rester sur le toit, là. Ah, bah, c'est un peu l'idée, hein? Sachant que peut-être que je mets des gens sur le toit, mais que l'assassin n'est pas sur le toit. Ah, tu vois. Allez, il reste un ou deux assassins. Tu as capturé le prêtre. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, entrave. Salope.
Ah, là, je suis complètement à poil là. Je suis complètement à poil. Écoute, le Tuer, c'est sixième. un point d'action? Pour le roi, le blessé, c'est deux points d'action. D'accord. On va repousser là. Et mon action du roi, on va faire ça. Et moi, j'en ai 5, c'est ça? Là, 1, 2, C'est 3. gratuit. Non, un, 2. Bah écoute, on verra. À moi. J'ai encore ma vie là. Blessé. Tuer un garde, c'est un point d'action, hein. Le premier tour, c'est un point, le deuxième, c'est deux. Ouais. 1, 2, 3. Oh, je me sens oppressé là. Oh là 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 là. 4. C'était bien la gonzesse avec son panier, mais pas la bonne. 1, 2, 3, 4. Il me reste un point d'action. Oui. Je vais reculer. T'es prête? Vas-y. Ça me paraît mal engagé pour le roi Ah là. non, mais là c'est mort. Là c'est foutu. C'est un point d'action pour tuer et je suis à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, j'ai beau recompter. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que tu n'as plus de protection pour le roi. Bah, de toute façon, là, j'ai pas le temps de rapprocher celui-ci. Tu vas avoir 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est soit je bouge pas, mais enfin mon but c'est quand même d'avancer aussi. Alors avec 4 points, j'explique aussi pour les gens Oui, qui regardent, on est là pour tu peux faire ça. 1, 2, 3, déplacement gratuit et 4 te le tuer. Donc t'es pas à l'abri. Est-ce que l'assassin il monte gratos et il descend Ah oui, gratos quasiment? c'est Non, il vrai. Il monte monte pour un pour 1 et il point et il descend descend gratos. pour 0. Donc 1, On siffle le temps. gratos, 2. Non, il escalade pour 1 et il descend pour 0. Ouais, ok. Donc 1, 2, 3. Ouais, ok. Ouais, donc j'ai pas le choix. Si tu vas le tuer, c'est un coup de poker. Soit tu as capturé le troisième assassin sous forme de prêtre et tu as gagné si tu l'élimines, soit il y a encore un assassin et là. Pas le choix, de toute façon. J'ai pas le temps de ramener cela à la rescousse pour garder celui-là en défense. Non, j'ai pas le choix. Donc, je vais déplacer 1, 2, 3, 4 et 5, je le tue, c'est ça. Et lui, je le laisse là, j'avance à gauche, à droite. Je pense qu'il y en a un dans ce coin-là. Allez, hop. T'as un deuxième point d'action pour le roi si tu veux. Bon, de toute façon, c'est foutu pour foutu. Oh, c'est pas si foutu que ça, ça dépend où il est. Si mon assassin est là, je suis loin. Hein. S'il est là, c'est C'est encore difficile. plus loin. Ah, c'est par rapport à cela, quoi, que j'ai peur forcément. Hein, mais... J'ai 4 là. Hein. Façon, le roi, il est forcément obligé de prendre des risques à un moment. Il peut pas se protéger de. J'adore ce jeu. C'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment deviner où sont les assassins. Ouais. À moi. Alors, on va faire. Ça se trouve, c'était lui ton troisième. Ah, va Elle. savoir. Ah non, c'est trop J'ai droit, intelligent. j'aurais C'est toi qui as raison. sorti, Ah mais oui, je suis bête. tu sais qu'il en Je vais reste un. faire. Je suis bête. Un. Par contre, ça va être difficile quand même pour l'assassin de gagner. Parce qu'il faut, il n'y a plus qu'un assassin, faut il faut qu'il se rapproche du roi pour lui Ben mettre. oui. Dépenser 4 points d'action pour lui faire 2 blessures. Il va falloir que je ramène quand même lui à un moment ou un autre si possible. 2, 3, 4, 5. Ah, une petite entrave. C'est bien ça. Alors, bon. Bon, bon, Si tu bon. choisis bien, tu peux gagner. Ouais, enfin, tu sais, c'est moi qui joue. Hein.
Là, c'est aussi difficile pour le roi que pour l'assassin. Ah ouais, on est parce que moi j'ai foncé comme un j'ai voulu te foutre à poil rapidement. Parce que Monsieur Fall a sacrifié deux assassins, mais au final il ne reste plus qu'un, et là pour éliminer le roi qui n'est pas encore blessé. Je peux le tuer en un tour, je fais deux coups et deux coups. Faut que je fasse... C'est quatre coups pour le tuer. C'est quatre points d'action. Ah, okay. Et vous avez entre 4 et 5 points d'action à chaque coup. Il faut vraiment se rapprocher très près. C'est ça l'idée. Tu avais combien au coup précédent ? 4. Tu avais 4. Je suis pas loin. Et t'as bougé celui-ci. Bah, je n'étais pas à 4, hein, donc il n'y en a aucun qui pouvait te tuer. Ah. Donc, l'idée, c'est que tu vois, c'est une espèce de nasse qui se referme. Bah ouais, je le vois là. Là, je ne sais pas qui choisir. Je ne vais pas avoir le temps. Si je veux agir. Que lui il peut entraver lui. Je vais pas avoir le temps de ramener l'autre. Le roi peut tuer des. Non, le roi il fait que marcher. Il tue pas les assassins. Non, c'est. Ah ouais, ok. Donc si j'ai les deux jeux sont recto verso, donc si jamais vous avez un doute sur ce que peut faire l'adversaire, vous pouvez très bien regarder. Et toi évidemment tu vas pas m'aider à me dire qui. Ah non, mais par contre tu vois, je vais peut-être bientôt tuer ton mec qui est au milieu là. Est-ce que l'assassin est chauve? Est-ce qu'il a des lunettes? Yes. Non, je vais peut-être tuer ta petite merdasse là. Bah oui. Au bout d'un moment. Évidemment, c'est pour ça qu'il va falloir le faire agir. Écoute, je vais faire un truc, on verra bien. Je reste sur ma première idée, c'est la gonzesse. On va faire 1, 2, entrave, 3, 4, 5, et mon action du roi. Écoute. Bon, manifestement, c'était pas la gonzesse. Sinon, je. C'est bon, il fallait le révéler. 1, 2, 3. De toute façon, c'est foutu. De toute façon, c'est foutu. Donc, on avance. Ok. Donc, là, si c'est la grosse butte, donc la grosse brute, t'as perdu. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, même lui, de toute façon. Non, parce qu'il faut. Il faut 4 points d'action pour te faire de blessure d'un coup. Non, il faut que j'élimine ça. Si j'élimine ça d'abord. Après, lui, il peut plus, c'est son loin pour me buter. C'est pas la brute, de toute façon. Après, c'est son loin. Il peut quand même la ramener. Et... Ouais, c'est un peu loin, il faut quand même. C'est quoi? C'est entre 5 et 7. Hein. En 2 cartes, c'est dur. Hein. En 2 cartes, je te dis. Après, il faut que vous puissiez éliminer en un tour. Hein. Aussi, vous avez 4 ou 5 points d'action par tour. Ça serait lui, l'assassin. Lequel? Moi, je ne veux pas te le dire. Non, mais moi, je veux éliminer ta merde. Ouais. Bah, je t'ai grillé en tout cas. T'es grillé, je sais qui tu es. Ah, j'ai dit. Fais-moi rien. Je pense que tu es lui. Et tu te rapproches dangereusement des gardes qu'il y a derrière. Ouais. C'est entre combien? C'est 5, 5, 5. Et puis c'est une action pour me blesser aussi. Hein. C'est ça, pour que lui vous élimine, c'est une action. Non, parce que si j'élimine lui en rapprochant un de ceux-là. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, il va me manquer un. Avec l'histoire, on peut très bien bloquer le déplacement des chevaliers aussi. Ouais. Et lui, il compte. Non, j'éliminerai bien sa gueule à l'autre, là. Mais ça me fait me révéler. Mais c'est que le roi, après, il peut se barrer, donc s'il est loin, s'il fait le tour loin, c'est compliqué. Faut prendre des risques. Après, je vais prendre des risques. Si le roi n'est pas rentré à la fin des. Il reste des 15 cartes. Ah, oui, il y a de la marge encore. Non, je vais me rapprocher du. J'ai 5, hein. Fais donc ça. Quoi, c'est l'évêque, là? Mais tais-toi. 1, 2. 3, 4, 5. C'est pas drôle. Là. Bah, tu vas venir là, de toute façon. Non, je vais faire demi-tour. ça serait pas mal. Mon coup, tu peux essayer, mais je suis pas sûr que. Il va falloir courir vite. On est bon, tu peux entraver là. Vas-y, j'ai 5 après. Ah, si c'est 1, il y a du mouvement là. Ça me plaît pas beaucoup, autant de mouvement. Alors. Bon, je crois que. Ces quatre-là, je les élimine. Lui, il est définitivement trop. Oh, bah, je vais pas le dire. Ah, si, pour les gens qui regardent la vidéo. Alors, tu regardes pas. Il a fermé ses yeux. Je pense que ce n'est pas lui. Tu me taperas sur le genou, hein. J'entends rien, je vois rien. Je pense que c'est un des trois. Mais bon. C'est bon. Bah, j'ai vu un doigt, là. Bon, écoute, c'est pas grave. Lui, il est trop loin. Là, il faut agir dans l'urgence. 10 minutes, qu'il disait. Ah oui, mais je n'ai pas envie de me faire la vas-y.
Ça peut être très rapide. Si je fais 1, 2, 3. C'est ça mon problème, c'est qu'ils allaient arriver vite. Entrave. Lui, il est quand même. Ouais, il y a lui qui fait chier aussi. C'est très bon, hein. T'as 5 actions. Tu vas pouvoir faire, si tu te révèles, 1, 2. C'est combien d'actions? Il me faut 4 pour le tuer. 3, 4. Il manque un point d'action pour faire 2 blessures en un tour. Tu pourrais pas le tuer. Lui, il serait encore en vie. Là, tu peux pas mourir ce tour-là. Et en plus, tu serais obligé de te révéler. Bon, écoute, je vais voir ce que tu vas faire. Je vais faire 1, 2, 3, 4 entraves. Je suis aux fesses, hein, je vais te dire. 4 entraves. 4 entraves. 4 entraves. 5. 5. Pourquoi je le bougerais, lui? Pourquoi je le bougerais? Je sais plus quoi faire. Il me reste une action. Hein. Il me reste une action. Écoute, je vais faire comme ça. Et le roi, je l'avance. Je l'avance là. Allez. Moi, j'ai 5 actions. C'est assez stressant. Là. Bon, des entraves. Je peux regarder combien d'entraves sont passées? Oui, bien sûr. Il y en a 4, il en reste 3. 3. Donc les probas pour que tu puisses m'entraver là sont un peu. Une sur deux, globalement. Ouais, ça va, j'ai un peu de temps encore. Ouais, mais j'ai de la chance. J'ai 5. J'ai 5. 1. Chiotte. Alors lequel chiotte. Maintenant chiotte. Putain, j'ai calculé quand même les probas pour que ça arrive. Ah ouais. Ah mais je suis toujours dans un. Bon, une chance sur deux. Une chance sur deux. Je suis sûr que c'est lui. Tu l'es planqué à l'arrivée là. Ça, tu sauras jamais. T'as essayé de jouer ton Rémi là sur ce coup-là. J'ai joué mon Rémi, je le connais à peine. Ouais, c'est la dernière partie, il m'a dit qu'on avait les seins là et puis j'ai servi jusqu'à la porte et hop, des coups de couteau. Bon, ceci dit, si vraiment c'était l'autre, déjà comment je vais faire? Si je fais 1, on va faire 1, 2, entrave, entrave, le roi va se déplacer là, lui va aller là, il va pouvoir se révéler. Tuer pour 1, descendre pour 0, et ça serait fini. Et de toute façon, même si c'est lui, ça ne changerait pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5, sauf si je reste là. Eh bien, écoute, je crois que je vais prendre un risque, je vais éliminer plutôt celui-là. Donc, je vais faire 1, 2. Entrave 3. Ah oui. Putain. Bon, bah, écoute, c'est parfait, hein. C'est joué à pas grand chose. J'aurais dû être beaucoup plus agressif. J'aurais dû te tuer, j'aurais dû descendre et te tuer. J'ai limité, je faisais le nettoyage, là, c'était bon. L'important, c'est quand même de tuer le roi. Hein, les... Bah oui, je sais bien, ouais, bien sûr. Bah, oui, mais... sacrifice deux assassins pour, mais en fait, pour faire le ménage, c'est. Okay. Bah, j'ai nettoyé, parce que je voulais vraiment qu'il pense que c'était par ici ou de l'autre côté, mais bon, il a dit je vais prendre un risque, je vais faire celui-là.
Saloperie, va. Ah, je suis bien content. Première fois que je gagne en roi. Ouais, mais j'ai merdé. C'était ma première partie. La deuxième ne sera jamais comme ça. Écoute, on a vu les tenants et les aboutissants. On a joué beaucoup plus longtemps que prévu. Je sais pas si on fait l'autre côté, si vous voulez. Oh, c'est toi qui. Bah, c'est vous, parce qu'en fait, après, ça donne l'impression que la partie, elle dure une heure et demie, alors qu'on a annoncé 20 minutes. Ah non, non, c'est une autre partie. Ouais, c'est un jeu asymétrique. Là, voilà, c'était une demi-heure, mais avec l'explication des règles et la première partie, non? Ouais, c'est super. Moi, je pense que c'est parfait pour que les gens puissent se faire l'idée sur le jeu et comment ça fonctionne. Si tu veux une nouvelle défaite, je te l'offre. Ouais, non, pas du tout. Moi, je pense que c'est très bien de s'arrêter là. Ça fait 35 minutes. Enfin, on va faire un 5 minutes après pour papoter de stratégie et de tactique. On a vu Kings et Assassin. Donc, un jeu de Lukasz Wozniak. Hein, un auteur polonais très prometteur. C'est des Polonais. C'est son premier jeu, ce gars-là? Non, je crois qu'il a fait un autre jeu. Je crois que son deuxième ou troisième jeu. Mais qui n'a pas été traduit en français. Donc, Galacta, en tout cas, ça va arriver. Donc, chez ta maison d'édition, j'ai oublié le nom. Rune Édition. Ben oui, Rune Édition. Et ça va coûter combien? Il va coûter 32 euros. 32 euros, bon, il y a du matériel. Ça va être exactement le même matos. La boîte, tout pareil, c'est juste tout Francis, quoi. C'est Galacta qui s'occupe de la production, en fait. Ok. Qui m'impose, voilà, Ok, bah parfait, hein, dans toutes les bonnes boutiques, d'ici bientôt, en fait. J'espère. Bah, écoute, normalement, tu nous as dit novembre. Oui, normalement, oui. Voilà, sinon, par rapport au tournage, c'est à peu près dans un mois, donc... Oui. Merci, Ludo. T'as eu chaud aux fesses, hein. Ah, c'est moi qui m'a rêvé. J'ai hésité entre être agressif ou pas. Tu vois, et puis c'est entre les deux que ça se passe. Merci Rémi, merci Ludo, à bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Reich.